Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode sur Crusader Kings 2 avec l'influence du dragon. Nous sommes dans une longue période de paix suite à notre grande guerre contre le Rajasthan. Nous avons, à l'épisode précédent, été nous prosterner face à l'Empire chinois. Ça nous fait perdre du prestige, mais gagner de la grâce par mois. On va donc demander un artefact ce mois-ci pour commencer. On essaie de garder 500 de prestige, de grâce, pour faire les mariages par après. Et dans cet épisode, on va faire la même chose. Là, on a une mission d'accumuler beaucoup d'argent. Donc on va accumuler beaucoup d'argent. Il y a nos vassaux qui font des guerres à gauche à droite, on les laisse faire. Hein. S'ils y arrivent, tant mieux. On va aider les menuisiers, donc oui, on aide la guilde. C'est qui? Ah non, j'ai cru que c'était le général de l'Empire, machin chouette. Disons plus sur le seigneur, non. Moi, ce que j'ai envie de voir, on n'est plus en paix contre eux, normalement. Si. Dans 2 ans, est-ce qu'on aura encore possibilité? Oui. Donc on aura la possibilité de faire une grande guerre sainte pour Biard. Est-ce qu'on va faire une grande guerre sainte pour Biard? Non, pour Delhi. Ça pourrait être bien, parce que ça continuerait sur le nord. Bon, et en plus, il y a ceci. Oui, je pense que je ferai pour Delhi la prochaine grande guerre. Parce que oui, ça m'éloigne. Ou sinon, j'ai Punjab. Mais ça, Punjab, c'est tout petit, c'est ce qu'on a pris. Rajputana, c'est le cœur de leur empire. Sindh, les mythes. Non, mais je pense que je ferai bien pour Delhi. Pour les repousser petit à petit, sans être trop dans le sud. Actuellement, on a 14 000 troupes. Je rappelle qu'on va, le jour où on va déclarer la guerre pour prendre le trône de Chine, on va avoir mal. Non, je ne veux pas de faveur. L'argent, je le gagne. En 3 mois, j'ai l'argent. Oh, c'est romantique. Parfait, tu obtiens maîtrise des sièges. Ah tiens, tu n'es pas en guerre contre nous, tu es en... Voilà. Tu es qui? D'accord, tu es un sous-caca, d'accord. Dites quelque chose d'intelligent, oui. Tentation, oh oui. Trésor de guerre constitué, et là, c'est gros, hein. Ils sont assez imposants. On a aussi accès au safari. De safari, donc on pourrait lui faire quoi comme guerre? Conquête. Qui est dans la quoi contre nous? On a 3. On a celle du nord, on a celle de l'ouest, on a celle du sud. D'accord. Rajputana n'est pas dans une coalition contre nous, donc on aura peut-être l'occasion en 32 de leur redéclarer une guerre. D'ici 32, j'espère qu'on aura diminué notre menace. Qu'on aura eu le temps de... plein d'augmentations, ok. Qu'on a eu le temps d'aller déclarer la guerre ici et ici. Pour isoler bien la zone. Et après on verra, mais... ça va bien se passer, normalement. Avec 15 000 troupes. Et vous, juste pour savoir combien vous pouvez avoir de troupes, 15 000. Ok. Oh, dites quelque chose en... Non. Je vais te dire quelque chose d'intelligent. Tu es une adultère? Oui, tu es une femme adultère, d'accord. Oh, repassons une nuit mémorable avec toi. Ayons un enfant avec toi. On va le reconnaître direct. Hop, toi, je vais t'éduquer à l'économie. Tu veux un mariage entre qui? Tu es qui déjà? Tu es l'empereur? Non, tu es empereur de Kirghiz. On va accepter. On va également te forger une alliance. Non, il ne veut pas. En tout cas, t'es en paix. Son souffle chaud envoie un courant d'envie dans tout mon corps. Bien évidemment. Ah oui, c'est vrai, je dois aussi aller plus tard faire des guerres dans ce coin-ci. D'ailleurs, ça, c'est qui? Non, c'est bon. Combien de troupes? 6000 troupes. Je pourrais te déclarer la guerre un jour. Une propriété... Ah, je pourrais te revendiquer les propriétés de Dialpur. T'as des propriétés chez moi? Ouais, d'accord, on s'en fout. Bah, ce serait des conquêtes, oui.
On pourrait faire 2-3 conquêtes avant la prochaine grande guerre contre le sud. Hop, économie, oui. J'ai hérité de tes terres. Tu es morte sur le combat. D'accord, j'ai hérité de toutes tes terres. Non, pas de tout. Hop, regardons. Ici, j'ai hérité de quand même beaucoup de choses. Tu as un fils. Est-ce que tu es l'héritier de quelque chose? Héritier de pas mal de choses, oui. On va regarder avec... où est l'outil? Trouver des personnages. Ma religion, ma culture, ma dynastie. Non titré. Des hommes. Toi, tu es qui? Tu es mon neveu. C'est pas top. Toi, tu es mon neveu aussi. Accorder un... Tu n'as rien, tu n'es héritier de rien. Accorder un titre foncier avec tout ce qui est en dessous, duché de... Zigzai. Tu m'aimes bien? Tu m'aimes bien. J'ai hérité d'un autre duché, apparemment. Yarlung. Non, d'accord. Kaboulistan, ici. Ah, vous êtes indépendants, vous deux? Accorder un titre... Tu es quoi? Monastie féodale, ok. Kaboulistan, je te l'offre. Et... C'est qui ça? C'est aussi indépendant? Et toi, tu es aussi indépendant? Y a pas un royaume dans le coin Zaboulistan? Je l'ai? Ah, j'ai Zaboulistan. Je vais t'offrir à toi, Zaboulistan. Non, je vais t'offrir à toi. Accorder un titre foncier. En dessous, je ne peux pas accorder un titre foncier. Duché de Zaboulistan. D'accord, c'est un duché. Et Sistan, je ne peux pas encore l'usurper parce que je n'ai pas assez de terres chez eux. Et ici, c'est parti du royaume de Kaboulistan. Et je n'ai pas assez de terres dans le royaume de Kaboulistan. De Khorasan. J'ai reçu un artefact, d'accord. Satrapie machin chouette là-haut, ça donne quoi? Toujours divisé entre trois personnes, je vais pas m'en occuper. Même. Pop. Alors, notre menace, 16%. Non, un fils sans terre, des troupes levées. Tiens, j'ai encore des troupes levées. Voilà, tu te calmes. Merci. Tente ma chance. C'est qui en fait? C'est mon amante. Ah, d'accord, c'est ma belle-fille. J'avais pas vu. Je me suis dit, tiens, une chinoise. Enfin, une de l'Empire chinois, quoi. Allons-y. Et non, raté. Il faut que j'aille chasser tout de suite. Si elle a un enfant, on est dans le caca. Hein. Ah, malaise. Y a-t-il une maladie qui traîne dans le coin? Non. D'accord, c'est peut-être l'âge. Hein. 2000. J'ai la grippe. D'accord. Rien d'hyper grave, mais on est âgé. On n'a pas de vaccin. Donc ça pourrait être problématique. Place de rassemblement niveau 3. Maison de malade. Alors ici. Terrain d'entraînement, bien évidemment. Bourg niveau 4. Je prends directement. Fortification. Maison de malade. Non, je vais d'abord développer tout ceci. Soupe. Ici, je vais développer le donjon niveau 3. Non. Le bourg. Si le muraille du temple. Fortification. Si on a déjà... Non, camp de miliciens. On a plus d'argent. Un labyrinthe en haie. Alors, on va utiliser un remède éprouvé, oui. Je vais mieux. Je m'en occupe moi-même, je suis travailleur.
On a le meilleur empereur du monde, quoi. Dommage qu'on ait la grippe, mais regardez-moi cet empereur et regardez-moi ses stats. Je mettrai des statues religieuses, ou alors... Oui, des statues religieuses, on est en... On est des gros soucis d'or. C'est pour l'Empire. Et pour la religion. On a plus 18... Non, plus 90. Une grande fontaine. Allons-y. On est un peu en dèche niveau argent, mais... Et donc on va avoir quelques soucis, mais c'est rien. Non, la flore locale est très bien. On n'a plus d'argent, on n'investit plus. Jamais. Non, par contre, ce qu'on peut faire... On ne plaisante pas avec le dragon, très bien. C'est changer ceci. On a plus d'opposants maintenant. Faut remettre un conseil qui ne m'aime pas. Mon maître espion ne m'aime pas, qui est mon fils en soi. Pourquoi? Parce qu'on est rivaux. Cocu. Il a découvert que je l'avais fait cocu. C'est triste. C'est bon comme ça? Voilà, partisan, 4. L'emprisonnement, c'est moi qui décide. C'est pour mettre ceci, je rappelle. Qui va prendre du temps pour arriver jusqu'à là. Hein, je le signale légèrement que ça va prendre du temps pour arriver là. Parce qu'il faut majesté niveau 5. Et il nous faut 1000 points. Un coin... Allons-y, rajoutons un pavillon. La chair est faible, on pardonne, on oublie. Est-ce qu'on peut voter une nouvelle loi? Non. Non, et ça, il faut attendre 1300... Ouais, je vais voter que des lois de conseil. J'aime voir les choses grandir, je suis jardinier. Risque de révolte? Non, ça va. Problème économique? Non, ça va. Bon, on a plein de choses qui apparaissent. On va avoir plein de malus. Mais une fois qu'on sera repassé en positif, ça ira mieux. Le prix de la décadence. Ça s'entre-déchire. Bon, par contre, ça veut dire un moment sans guerre encore. Et là, c'est imposé, quoi. Le moment sans guerre. Indépendance, non. Tu vas te calmer. Garder un titre honorifique. Champion. Un titre honorifique, je ne peux pas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux te transférer, peut-être? Nyang. C'est la fille de qui? C'est qui ta mère? Je ne reconnais pas l'enfant, non. Je peux pas les insulter ou des trucs comme ça. Oh, les insulter, les payer. On aurait droit, si je levais mes troupes, d'aller piller. C'est le meilleur moyen d'avoir un peu d'argent. Elle manquera. Ma belle-fille est... Ok, bah on va redemander un mariage. Demander un mariage royal. Un mariage impérial pour mon fils. Et là, nous, on va aller piquer de l'argent aux Indiens. Avec un peu de chance, on aurait récupéré l'argent à la fin de l'épisode suivant. À la fin de cet épisode, pour qu'au début de l'épisode suivant, on fasse nos 2-3 guerres de conquête par-ci par-là. C'est ma belle-fille, mais également... Non, c'est juste ma belle-fille, très. C'est en mode pillage. Fais-toi plaisir. Bah, c'est pas comme si j'étais en des gros soucis d'argent, là, non. J'ai rien remarqué. C'est pas la première fois que vous me voyez piller des Indiens, peut-être. Nous souffrons ici-bas. Oula. 25 pièces, waouh. Paix avec le Rajasthan. Ouais, mais avant de lui refaire la guerre, j'aimerais de faire deux petites guerres au nord, là. Au moins les deux du nord. Ouh, on a ramassé quelques pièces.
J'ai la grippe, c'est quoi ces traitements médicaux qu'on va me proposer? Embaucher un physicien de la cour, oui, ce sera utile. Chaplain. Toujours de plus en plus dur. Et ici, on a perdu quoi d'autre? C'est un accord, non, mais on est en train d'en rechercher, hein, donc c'est bon. Bon, eux vont me détester, mais c'est rien. 25 prestige, 25 karma, et on prend... Bah si. Enfin, il est de notre religion, donc on n'a pas de souci avec ça. Parfait. Non, ça se passe bien. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Paisible, etc. Tout brûle. On a presque récupéré l'argent. Mais juste pour le plaisir, on... Révolte Taoïste, tout ça ici. J'ai trouvé, exactement. Lever la garde. Oui. Hop. Ouais, en feu aussi. 90 pièces de pied. C'est ma fille ou ma petite fille? Ma fille. Tu es très bien, tu vas être patiente. Ça fait quoi? Plus 1 en intrigue diplomatie. Ouais, presque partout sauf en martial. On peut pas dire que ce soit un trait négatif. Oui, on est enfin en positif. Maintenant, il va falloir éliminer tout ce qui est ça, guilde des voleurs, les cercles de contrebandiers, etc. Sérieux, c'est la garde d'honneur qui est partie le faire? Hop, et ici, ça donne quoi? Mode de stabilité est terminée, des grands soulèvements populaires ont éclaté en Chine. Ah non, moi je veux t'assister. Envoyer un eunuque? Non. Envahir. Je peux pas parce qu'on est en paix. Ce que j'aimerais savoir, c'est combien ils ont de troupes, eux. Ça, c'est ce qu'ils disent. Non, ça, c'est leur argent. Ils ont zéro troupe, mais ils ont 14 000 pièces d'or. C'est riche, les Chinois. C'est un peu tout l'Empire, en fait. Tout ce qui est à l'est d'ici, c'est l'Empire chinois, en gros. À peu près. Rechercher un traitement médical. Effet indésirable, oui. Si c'est connu, j'accepte. Toi, tu es mon fils bâtard. Tu vas être travailleur. Ok, il n'y a plus. Allons continuer les pillages. Nous souffrons ici-bas également. Rançonné. Juste parce que je suis un peu en dèche, hein, en ce moment. Même si ça s'est amélioré depuis que je pille des terres. Un éléphant. Alors ici, il y a des gens pas contents. On va envoyer des cadeaux, maintenant on peut. Pouvoir du conseil accru. Non, mais si je suis en train d'essayer de récupérer le pouvoir, c'est pas pour rien. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour t'offrir un cadeau? On ne me fera pas chanter. D'accord. Je vais faire ceci, d'accord. J'ai pas le droit au régiment chinois. Lever la garde, non, parce que je l'ai... D'accord. Troupes, je peux en avoir beaucoup. Sérieux. Ils ont vu que je m'en allais, ils m'attaquent dans le dos. Hop, on se fait combien? On se fait 50 par mois, on devrait pouvoir à un moment acheter un mercenaire. Mercenaire, 15 par mois. Et 15, ça me ferait quasiment 30. Il me manque l'argent pour en acheter un.
Et donc ça va être ça dans cet épisode. En économie aussi. Dix mille troupes et nous ici on est à 11 000. Ils sont à 14 000 même. Nous à 13 000. Ça va? S'ils se séparent en plus. Non, ils sont en train de se rassembler, puis ils se reséparent, puis ils se re-rassemblent. Vous savez pas ce que vous voulez peut-être. Dis-moi qu'on peut lever la garde. Si on peut lever la garde, on va se rapprocher, on va... Très bien. On peut lever la garde d'honneur. On a du monde qui arrive, mais on va... se rapprocher par le nord. Hop. Lever la garde d'honneur. Tu vas aller là. On va aller là. Non, on va aller là. Ils sont 16 000. Hop, et on va également lever... On est à combien? 300 et on fait combien par mois? 33. On va donc également lever le premier mercenaire qui se présente. D'accord, ils ont des victoires, mais vous inquiétez pas, on va en avoir aussi. Juste pour savoir, est-ce que tu dis rouge, tu mènes tes troupes en Gyeongze. Nouveau royaume de quoi? D'Irak. Très bien. Tu étais quoi avant? Tu es un juif. L'Irak c'est juif. Oui, très bien. Oh. On va mettre le top sur cette armée. Allez. Hop, et on fonce sur leur armée. On n'est plus une menace. Oui, mais sauf qu'on est en guerre. Je ne peux pas donner des terres à tous ceux qui m'en demandent. Heureusement qu'on a eu des renforts continus, c'était tendu. C'était tendu, mais une fois qu'on a fait tomber leur flanc, leur centre, c'est leur centre qui est tombé, qu'on a fait tomber un flanc, puis le centre, etc. Ça s'est très bien passé. Enfin, moi je me concentre ici, hein, parce que là on peut rien y faire. De toute façon, une fois que ça a commencé. Ok. Ok. Ok, et c'est tout. Il n'y a pas une terre ici où on peut aller alors? Il faudrait aller sur leur capitale. À moins qu'on puisse le faire une paix blanche directe. Je demande pas plus. Hein. Non, mais on va donc aller sur ta capitale. Tu es qui? Tu es ma fille? Non. Je préférerais les filles patientes. Je préférerais juste l'héritier qui soit ambitieux. Ok, 20%. 29. Ça continue comme ça, on va vite arriver au 100%. On finira l'épisode quand on aura fini cette bataille. Ainsi, on peut commencer l'épisode suivant sur une guerre. D'apprendre la bonne direction. On va accepter. Allez, hop. ~46%. Je t'offre la paix blanche maintenant. Paix blanche, t'acceptes, on accepte. D'accord, on baisse ceci. Toi, les 4000 troupes là-bas. On va vous envoyer... Ah, d'où tu t'es indépendantisé, toi? Tout est indépendant.
Toi, tu es ma vassale. Ok, on est d'accord. D'où toi, t'es indépendant, du coup. Proposer une vassalisation. Merci. Non, parce qu'il s'est indépendantisé, comme ça, gratuitement. J'ai le droit de te déclarer la guerre, revendication de jure sur Lhasa. Oui. Ah non, tu es en conflit contre qui? Contre elle? Non, contre lui. Pourquoi? Guerre de revendication... Non, bah on va faire une guerre pour te revendiquer de revendication de jure sur Lhasa. On fait durer un peu plus longtemps, ça fait partie de la révolte hein, pour moi, donc enfin qu'ils soient indépendants comme ça et tout ça, pour moi ça en fait partie. Et si ça me permet de récupérer ces terres, en plus, ce n'est que du positif. Tiens, on va péter ces troupes d'abord. Lever la garde d'honneur, pourquoi? Je veux bien. D'accord, hop. Et ici on est à combien? On fait tomber très vite. Si on fait tomber assez vite pour que... Ouf, la garde d'honneur qui se fait péter les dents. D'accord. Ça va permettre de redispatcher le territoire dans un sens. Donc, c'est très bien. Alors, ça se passe comment? Non, toujours en guerre, toujours pas content. Ah, de la technologie. Pratique commerciale, infanterie légère. Très bien. J'en ai toujours 4 qui m'aiment. Je comprends pas, tu me détestes. Pourquoi tu m'as demandé d'aller dans le conseil si tu me détestes? Ça n'a pas de sens. Tu te rends compte que ça n'a pas de sens, mon jeune ami. D'accord. On se tape des guerres, des attaques, des défaites. Là, ça va passer avec les 500 qui arrivent. C'est bon, ça passe. Ok, 100% de victoire, offrir paix. Tu es mon vassal, merci. Je diminue ceci. Et vous, les 3000, direction le Xia. Et sur ce, on va se laisser ici. Je regarde, c'est bon, on se laisse ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.